Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Even et bienvenue aujourd'hui. Je vous fais une petite information, alors j'ai 2-3 choses à vous parler. Alors la première déjà, c'est que bon, ça s'est fait au dernier moment, mais donc vous le savez en ce moment, il y a ce qu'on appelle la nuit de Crone, donc qui est un événement en stream, donc qui se fait en live sur la Gaming Room actuellement, donc qui permet en fait, donc c'est une œuvre, c'est tout simplement en fait, on essaie de récupérer des fonds. En fait, pour pouvoir aider à la recherche donc de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, donc, est une maladie qui est à la base l'inflammation au niveau intestinal, qui peut remonter aussi, qui malheureusement n'a pas encore actuellement à ce jour une solution. Donc, pour aider la recherche à ce genre de maladie, bon, il n'y a pas que ça, mais ça aide aussi en grande partie la maladie de Crohn et d'autres petites maladies qui sont un peu liées par parce que c'est une maladie un peu dans le type. Enfin, apparemment, la transmission viendrait des gènes et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai été convié, donc, enfin, j'ai pas été vraiment invité, mais c'est Pib4me qui m'a invité, qui m'a dit tiens, est-ce que j'ai un créneau, est-ce que ça te dit de venir? Donc oui, forcément, j'ai envie de venir. Donc on sera, je serai présent, donc vendredi. Alors que je vous dise pas de bêtises, là, je vais vous regarder l'heure rapidement. Donc je serai, ce sera donc vendredi 24, voilà, le vendredi 24 de 22h. À 1h du matin, et il est possible que je sois encore là après dans la soirée. On fera du Minecraft. Alors pour l'instant, il y aura du serveur, mais il y aura peut-être une map. On verra encore ce qu'on va faire. En tout cas, dans la description, donc vous aurez le lien. Donc je vous invite à tous, si vous avez la possibilité, de pouvoir lancer un don, un petit don. Ça peut être même 5€. Voilà, un petit peu, ça peut aider toujours. C'est toujours quelque chose, un peu de soutien. Vous avez le lien de PayPal dans la description. Les participants, puisqu'il y a plein de youtubeurs, dont certains qui sont déjà passés, youtubeurs, streamers et ainsi de suite, hein, d'autres gens aussi qui font pas de YouTube, mais voilà, qui participent en tout cas activement à ça. Je vous invite donc forcément, si vous avez l'envie d'aider, eh bien écoutez, n'hésitez pas, tout est dans la description. Et pour participer donc au live, vous avez le lien du live, les participants donc, et pour là où l'endroit où vous pourrez donner vos dons, il y a pas de souci. Je vous encourage en tout cas à faire ça. Je trouve ça super en tout cas de pouvoir faire ça et d'y participer. La deuxième chose, Paris Games Week, je serai présent. Je serai présent à partir, donc je le répète, hein, c'est pour un petit rappel en même temps. Je suis présent donc le samedi 1er pour la Paris Games Week, voilà. Je viendrai en début d'après-midi. Voilà, je serai accompagné de plusieurs personnes, il y aura sûrement, donc il y a Yunagame qui est avec moi, et puis il y aura d'autres gens après qu'on croisera au fur et à mesure. Il y a sûrement Furious Jumper qui était prévu, et d'autres encore si on les croise après, voilà. J'espère vous croiser, hein, c'est toujours grand, apparemment il y a plus de monde qu'à la Japan, donc c'est la première fois que je fais ce salon, donc voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre, on verra. Pareil, si vous pouvez venir, si j'arrive à vous croiser, ce sera génial. Et enfin, il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous faire, parce que c'est sorti déjà il y a un petit moment, mais j'ai pas eu trop le temps. Notre partenaire Feed the Beast France, tout simplement, a sorti un nouveau site, c'est le site ModPackFR. Donc le ModPackFR, je vais aller dessus directement. Alors voilà, on est sur le site ModPackFR. Quel est ce site en fait? Ce site regroupe un petit peu tous les modpacks, actualités et autres. En fait, vous avez vraiment tout ce que vous cherchez, il y a vraiment de tout. Donc pour regarder un petit peu, donc vous avez les articles un petit peu qui sont mis à jour au fur et à mesure sur l'accueil. Vous pouvez donc vous revoir regarder l'AT Launcher, donc il y a toutes les versions, vous voyez, vous pouvez retrouver donc la version 1.8, 1.7.10 et ainsi de suite. Par exemple, quand vous cherchez tous les modpacks ATL, vous allez dans tout modpack ATL, vous aurez toutes les versions donc des modpacks ici. Donc donc il y a plusieurs modpacks, voilà, vous avez tous les modpacks, voilà, présentation, donc vous avez des présentations de guides. Les modpacks Feed the Beast, par exemple, que vous avez jusqu'en 1.7.10, hein, c'est pareil, vous voyez, il y a de quoi faire, hein, vous allez entendre la molette de ma souris qui glisse beaucoup. Voilà, vous avez les divers gros launchers, donc pour les gros mods, par exemple le Void Launcher, donc qui rajoute d'autres choses, vous avez Laser 2, Pixelmon, TerraFirmaCraft, donc c'est pareil, c'est très intéressant, et puis il peut y avoir quelques articles ou autres, notamment, donc voilà, vous me retrouverez mes vidéos, d'ailleurs les vidéos, comme vous le voyez, il y a un peu de tout, là, vous voyez, on a Zendar Productions, CNME, Transport, Israfi, IPR, Sefi, voilà, ça référence un petit peu ceux qui, justement, traitent des mods, qui traitent des mods packs, et ainsi de suite, qui les présentent, donc voilà, ça vous permet aussi de voir. Si vous voulez voir certains exemples en vidéo, il y a les miennes, forcément vous les connaissez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, mais pour d'autres, découvrir d'autres gens qui font de certaines choses. Ensuite, vous pouvez donc au niveau des ressources cliquer par exemple sur les mods, il y a des mods écrits donc en français, donc les gens se basent, en fait ils sont très basés sur Feed the Beast. Là du coup, avec ModPackFR, ils commencent à créer plus de... C'est pour ça que d'ailleurs moi, ils poste plus mes vidéos, parce que justement, dessus, vous allez pouvoir trouver...
Là, par exemple, vous allez trouver thermal expansion, je sais pas, mais on peut switcher un peu, voilà. Bon, là, il y a mes mods, par exemple, voilà. Donc, il y a un peu tout, des articles qui sont soit faits à la main, soit en vidéo par moi ou certains partenaires de Feed the Beast. Et donc, ça permet donc de trouver, voilà, l'Awakening modpack, par exemple, qui est un de leurs mods aussi. Voilà, vous avez des aperçus des modpacks, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc si vous cherchez quelque chose, l'actualité des mods, par exemple, vous pouvez aller sur l'actualité, regardez à propos de Feed the Beast et ainsi de suite. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, vous trouverez un peu tout ce qu'il vous faut, la Grian Sky, voilà. Tous les modpacks que vous connaissez, eh bien vous pourrez les retrouver, en tout cas, sur ce modpack, surtout, enfin, sur modpack.fr, voilà, en tout cas, c'est un très bon site, parce que vous allez pouvoir y trouver un peu tout votre bonheur, voilà, j'ai dit beaucoup trouver, là, donc ça sera terminé, voilà, voilà, et une dernière petite information, c'est à propos de Azn, vous allez avoir une grosse surprise, je pense, à partir du 5, 6, 7, je ne vous en dis pas plus, vous n'avez pas trop de nouvelles de Azn pour l'instant. C'est normal, je ne sors, les vidéos de mode sont peu travaillées, pourquoi ? C'est normal, on fait du changement, il y a du changement qui arrive, vous allez voir, c'est super cool, franchement, ça va être super cool. Donc voilà, merci à tous, en tout cas, je fais une vidéo à l'arrache, là, donc je suis désolé, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, en tout cas, merci à tous, et à la prochaine, tous les liens sont dans la description. Et voilà. Oui, une dernière chose, si vous vouliez en connaître un petit peu plus sur nous, parce que je sais que par exemple, des FAQ, on n'en a pas fait des masses et tout, puis s'il y a des gens qui veulent nous connaître un peu plus hors du contexte, et j'ai trouvé que c'était une super idée, c'est on nous a proposé de faire un petit mode relax avec Gilles OL, et puis du coup bah j'ai trouvé ça sympa parce que je me suis dit tiens, si les abonnés ils veulent voir un petit peu ce qu'on fait à autrement parler, c'est-à-dire voilà, bah il y a une petite interview et ça sort à peu près vers Halloween Paris Games Week, donc voilà, bah à ce moment-là la vidéo sortira et voilà, vous pourrez voir nous découvrir un petit peu autrement, voilà. Tout simplement. Voilà, merci à tous, en tout cas, vous êtes une super communauté comme d'habitude. On arrive sur les 130 000 abonnés très bientôt. Merci beaucoup, on vous fera un truc pour les 150 000, c'est promis. Plein de gros bisous en tout cas, ciao à tous, et à la prochaine.